que j'aime pas forcément beaucoup, il en faut juste un petit peu. Moi j'ai ma technique à moi. Vous avez pu voir, je vais l'expliquer, mais je commence toujours par là. Jamais trop devant, toujours 1 cm après. Je suis la ligne de ceci. Donc là ils sont pas épilés, mais moi j'ai pas besoin de m'épiler tout parce que j'en ai pas énormément. Normalement, si vous voulez savoir la taille de vos sourcils, j'ai appris ça en CAP. Vous devez faire ça. Bon, après ils sont pas pareil. J'ai toujours un peu pointu là, plus arrondi là. Bon, je vais rectifier ça avec mon petit savon. Et là, je reprends la ligne de devant. Je vais utiliser mon anti-cerne. Chaque fois, j'ai oublié de montrer. C'est mon anti-cerne chez ma classe 4A. Bon, si j'ai oublié de montrer, c'est beaucoup mieux. Dans tous les cas, je vais mettre dans la barre. D'abord une ligne comme ça. Et ensuite j'étale.
là je la pique sur toute ma paupière. Arrêt de base, des fois je fais des trucs assez chargés, mais sinon, tous les jours je mets vraiment des trucs vraiment nudes. Des trucs assez nudes, voilà, même franchement, là je pourrais faire mon teint, mettre des fossiles et pour moi ça me va. Mais non, c'est trop simple là, je vais changer. Bon bah je vais prendre de l'oranger mais j'utilise plutôt en rajout. Donc là c'est la palette de Sahara. Là je vais prendre la couleur Jamila. Prendre du rose, c'est pas une couleur que je prends souvent, un rose orangé, donc c'est la couleur sous coteau. Je pense que j'ai un truc assez gris. Le mouvement que je fais, c'est de l'extérieur vers l'intérieur, donc en mouvement circulaire. Après, je peux descendre en bas pour le faire aussi. Après, je peux repartir dans l'autre sens aussi. Et quand je pars dans l'autre sens, ça part plus sur la paupière. Enfin, le fard va plus vers le haut là. Palette Ultimate de chez NYX, pardon. Donc c'est une palette que j'utilise plus trop souvent, mais avant j'utilisais. Donc je vais prendre ce bordeaux là. Je vais prendre ce bordeaux là pour aller dans mon coin de l'œil un petit peu noircir. J'ai mélangé avec la Pinked. J'ai mélangé un petit peu. J'enlève le résidu. Hop là. Et je remets dans mon coin de l'œil. Hop là. Donc là, on voit un peu différentes couleurs. Les couleurs de la palette de Oudor. De la palette curieuse. D'abord prendre la fantaisie de chez Huda Beauty. Ensuite, je vais la mélanger avec celle-ci de la palette Ultimate de chez NYX. Mon primer. Primer pour. Faire une base pour que vous fassiez traitementer ou faire avec vos palettes courtiennes. Thank you.
que ça donne sur un œil. Donc pour ma base de pore, j'ai utilisé la Pore Prime de chez Benefit. Dior Backstage. Donc c'est la teinte Sex Warm que je vais en mettre que sur ce niveau du visage parce que je suis trop foncée sur le front, donc je vais mettre un teint plus foncé en haut. Je trouve qu'il est pour l'instant pas si couvrant que ça. Avec les mêmes doses et d'autres fonds de teint, je pense que je serai couverte de voir tout, mais là je vois encore des taches dans mon visage. C'est vraiment abusé que je fasse deux couleurs différentes. Bon après, pour les peaux mat à noir, je pense que c'est habituel. Donc je rentre mon creux. En fait par rapport à la pointe de votre oreille, vous pouvez aligner le trait. Donc moi j'ai un connu, mais bon je vais. Enfin en fonction c'est comme ça. En fait, ça dépend du visage parce qu'on a toujours une oreille plus haute que l'autre. Donc si on suit ça, c'est pas forcément vrai. Ça dépend. Mais bon on n'a pas trop un grand écart. Mais moi je préfère faire comme ça. On prend un peu de Sacha, on l'applique en dessous du nez. Pas besoin d'en prendre des tonnes. Hein. Voilà, on l'applique. Voilà. Si vous avez une peau sèche, je vous conseille de la garder peut-être dans 30 secondes, vous pouvez mettre un chrono. Moi j'ai assez de déshydraté. Estomper au niveau du haut du visage, vu que j'ai pas longtemps vu la peau de vu que ça sèche pas chaud. En fait, je viens de me rendre compte que je filmais pour rien depuis une heure. Et que je filmais pas en fait. Je sais, non, ça a dû couper. Donc c'est la teinte ça. Voluptuous. J'ai pas beaucoup de sourcils, j'ai pas beaucoup de cils. Donc si vous voyez rien. C'est que c'est normal.
Je vais essayer de faire un eyeliner on caméra parce qu'on voit les figures parce que j'ai besoin de tenir mon nez comme ça. Pour les lèvres, ce que je vais faire, je vais vous expliquer un truc que je fais quand j'ai pas de crayon à portée de main. Donc je prends mon NYX lingerie en teinte Lipli 23, c'est une teinte française, c'est un marron français. De chez NYX Lingerie, donc ça c'est le baby doll, c'est le Lipli 11, Je prends la couleur Iman. Et je la mettre sur le coin de privacy on the door, I'ma make the shit grip. A rich nigga, eight figure, that's my type. That's my type, nigga, that's my type. 8-inch bagel, that's the pipe. That bitch, I'ma ride a dick all night. A rich nigga, eight figure, that's my type. That's my type, nigga, that's my type. 8-inch bagel, that's the pipe. That's my type.